stand. Thank you.
just thee. Close beside my Savior on my soul and my key. He revealed me safely in the path that he has told. Back to where they gather on the hills of God. Follow, I'll follow Jesus. Anywhere, everywhere, I'll follow. Follow, I'll follow Jesus. Everywhere he leads me, I'll follow. Shall be showers of blessing. Oh, this is the promise of God. Oh, this shall be season refreshing, sent from the Savior above. Oh, showers, showers of blessing. Showers, showers of shall be showers of blessing. Oh, precious regarding again. Oh, over the hills and the valleys, sound of abundance of praise. Oh, showers, showers of blessing. Showers, showers of the showers of blessing, who send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and honor thy word. Oh, showers, showers of blessing. Showers, showers of blessings with thee.
Nifanane, nawe Yesu, aonyumbani,
Chant et tant qu'il s'entoulait. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
greet you all this morning, tonight, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Ce soir, nous saluons chacun de vous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. We will never cease to say we thank the Lord of each and every opportunity that He is giving us. Nous n'arrêtons jamais de remercier le Seigneur pour chaque opportunité qu'il nous accorde. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Yes, my brother and my sister. Oui, mon frère et ma sœur. We are singing for the Lord. Nous chantons pour le Seigneur. Glory to God. Gloire à Dieu. Let the songs be known to everyone. Que les cantiques soient connus de tous. The Lord Jesus Christ is the Savior. Le Seigneur Jésus-Christ est le Sauveur. That's why we are singing for Him. C'est pourquoi nous chantons pour lui. Even that side. Même de ce côté-là. When we will be together in heaven. Quand nous serons ensemble au ciel. We will continue singing. Nous allons continuer à chanter. We will sing. Nous chanterons. There will be a terrible noise there. Il y aura un bruit terrible là-bas. In Revelation, I think Revelation chapter 14. Je crois dans Apocalypse 14. The songs will be heard even down. Les cantiques seront perçus jusque même sous la terre. And we will be singing. Et ils seront en train de chanter. Praising God. Chanter, praising Dieu. And the terrible noise there. Avec un grand bruit. It will be a time of joy. Ce sera un temps de joie. Amen. 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 May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. We are happy to see each and every one of you tonight. Nous sommes dans la joie de voir chacun de vous ce soir. I'm happy to see brother Paulin at the back. Nous sommes dans la joie de voir le frère Paulin là derrière. We are happy to have you, my brother. Nous sommes dans la joie de vous avoir, mon frère. The Lord has kept you. Le Seigneur t'a gardé. And the Lord has kept us. Et le Seigneur nous a aussi gardé. We thank the Lord because we can still see each other. Nous remercions le Seigneur parce que nous pouvons encore nous voir. We can see brother Joseph Muninga as well there at the back. On peut aussi voir le frère Joseph Muninga là derrière. God bless you, my brother. Que Dieu te bénisse, mon frère. We would like to know, is there anyone who is here for the first time? May stand up. Nous voulons savoir s'il y a quelqu'un qui est ici pour la première fois. Il peut s'élever. I see there is no one. Je vois qu'il y a personne. We are going to stand up reading the scripture. Nous allons nous lever pour lire une écriture et prier. And give the time to the man of God. Et accorder le temps au serviteur de Dieu. We are going to read in Revelation chapter 29 in Proverbs chapter 29. Nous lirons dans Proverbes chapitre 29. Verse 18. Le verset 18. What does it say? Que dit-il? Where there is no revelation, the people cast off restraint. But happy is he who keeps the law. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Amen. Amen. We are just going to thank the Lord. Nous allons remercier le Seigneur. Of what He has done for us. De ce qu'il a fait pour nous. Where there is no revelation. Quand il n'y a pas de révélation. The people are cast off restraint. Le peuple est sans frein. Imagine the car without a brake. Imaginez-vous qu'une voiture sans frein. It will bump everywhere. Ça va cogner partout. There is no brake. Il n'y a pas de frein. As the scripture said. Et comme l'écriture dit. Look outside. Regardez dehors. People are believing. Les gens croient. Different things. Des choses différentes. Because there is no revelation. Parce qu'il n'y a pas de révélation. There is no revelation. Il n'y a pas de révélation. It's where the people are cast off restraint. C'est là que les gens sont sans frein. Because there is no revelation. Parce qu'il n'y a pas de révélation. Let us all pray God. Prions tous Dieu. Our heavenly Father, we humbly come to you, O Lord, this time, surrendering this service into your hand, Lord. We open our heart before thee. We glorify your name for many things that you have done for us. Dear Lord,
We bring the entire congregation into your hand. We bring your people into your hand. You have manifested yourself into our life. Direction. Dear Lord, cher Seigneur, you really love us. Tu nous aimes réellement. You have manifested yourself into our lives. Tu t'es manifesté dans nos vies. When we can see the level of confusion outside, quand nous pouvons observer le niveau de confusion là dehors, people believing whatever they can hear. Les gens croient n'importe quoi, tout ce qu'ils peuvent entendre. People taking different direction. Les gens prenant différentes directions. People accepting whatever they are receiving as a teaching. Les gens acceptent n'importe quoi, tout ce qu'ils reçoivent comme enseignement. Because there is no revelation. Parce qu'il n'y a pas de révélation. In our time, dans notre temps, you have sent a prophet messenger. Tu as envoyé un prophète messager. You have opened our eyes, Lord. Tu as ouvert nos yeux, Seigneur. You are the one who have done it. Tu es celui qui l'a fait. So that we can see that this is a man sent by God. Afin que nous puissions voir que ceci est réellement un homme. And we can accept and say that this is the true word of God. Et que nous puissions accepter que c'est la véritable parole de Dieu. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Of what you have done for us. De ce que tu as fait pour nous. Thank you, Lord. Merci Seigneur. For this church. Pour cette église. You have given us, Lord. Que tu nous as donné, Seigneur. The servant of God. Le serviteur de Dieu. You have given us, Lord. Tu nous as donné, Seigneur. A good pastor. Un bon pasteur. You have given us, Lord. Tu nous as, Seigneur, donné. A good deacon. Des bons diacres. A good trustee. Des bons administrateurs. A good treasurer. Des bons trésoriers. A good song leader. Un bon conducteur de chant. Good children of God. Des bons enfants de Dieu. A good technician. Des bons techniciens. A good translator. Des bons traducteurs. People with your spirit. Des gens avec ton esprit. And we are in preparation. Et nous sommes en préparation. For your soon coming. Pour ton retour imminent. You are the one who has made us like this. Tu es celui qui a rendu ces choses pareilles. We thank you, Lord. Nous te remercions, May Seigneur. May you bless us again tonight. Puisses-tu encore nous bénir ce soir. We surrender. Nous recommandons everything into your hand. Toutes choses entre tes mains. We pray. Nous avons prié. In Jesus Christ's name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. They are going to lead us in a song. On va nous conduire dans un cantique. And we will hear the word of God. Et on va écouter la parole de Dieu. So mokose alene kufea nae ameni faose mamopia ukita sama mokose daepa kila dakika naishi kwa Bwana kila dakika nachungwa na Yesu kila dakika napata uzima ikita sama mokose
ugonjwa unanikamata, Yesu anaweza kuniponyesha. Hata katika maneno ya yote, kila dakika ananichunganga, kila dakika nachungwa na Yesu, kila dakika napata uzima. Nikitazama mtunze daima, kila dakika naishi kwa Bwana. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. We welcome each and every one of you in the house of God. Nous souhaitons tous la bienvenue dans la maison des dieux. We have come to hear the word of God. Nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. And to prepare ourselves. Et nous préparer aussi. The Lord is coming soon. Car le Seigneur revient bientôt. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. If you were not there, si vous n'étiez pas là, to whom are we going to preach? À qui allons-nous prêcher? If you were not there, si vous n'étiez pas là, who would have seated where you are? Qui allait se mettre à votre place? Who could have clapped a hand in your place? Qui allait frapper le main à votre place? Everyone is very, very important. Tout le monde est très important. Every one of the children of God. Tous les enfants des dieux sont très importants. If you stay at home, si vous restez à la maison, ask yourself, posez-vous la question, what I was supposed to do tonight for our Lord? Qu'est-ce que j'allais faire aujourd'hui pour le Seigneur ce soir? Who have done it? Qui l'a fait? May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. As we are still standing, comme nous sommes encore debout, we are going to read in Malachi chapter 4. Nous allons lire dans Malachie chapitre 4. Verse 5 and verse 6. Le verset 5 et 6. We have already prayed. Nous avons déjà prié. I just greet as well brethren who are following online. Je salue aussi les frères et sœurs qui nous suivent en ligne. I just want to remind you, juste vous rappeler, when you follow our video on YouTube, quand vous suivez nos vidéos sur la chaîne YouTube, don't forget to subscribe. N'oubliez pas de souscrire. Don't forget to like the video. Ou de like la vidéo. It's very important. C'est très important. Malachi chapter 4 verse 5 to 6. Malachie 4, 5 et 6. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and the dreadful day of the Lord. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to the fathers, lest I come and smite the earth with curse. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. May the Lord bless the reading of the word. Que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole. We can sit down. Pouvez vous asseoir. We are speaking about the house of God. Nous parlons sur la maison des dieux. Even when we are speaking about the prophet, quand nous parlons sur le prophète, it shows us how the Lord is dealing with his people. Ça nous montre comment l'Éternel traite avec son peuple. Since the Old Testament, depuis l'Ancien Testament, the Lord was sending prophets, le Seigneur envoyait des prophètes, to speak to his people, pour parler à son peuple. We have spoken about Moses, nous avons parlé de Moïse. We can speak about Noah. On a parlé de Noé. We can speak about Abraham. On peut parler d'Abraham. We can speak about Isaiah. On peut parler d'Isaïe. Jeremiah. De Jérémie. The prophet Jonah. Le prophète Jonas. God sent them. Dieu leur a envoyé. Because God loves his people. Parce que Dieu aime son peuple. And when he want to do something, quand il veut faire quelque chose, he reveal it to his servant, the prophet. Il révèle cela à ses serviteurs, le prophète. To tell the people, pour dire au peuple, stop what you are doing. Arrêtez ce que vous faites. This is the right way. Voici le bon chemin.
And when people have sinned, et quand les gens ont péché, like the people in Nineveh, comme ceux de Ninive, God, who is a righteous God, Dieu qui est un Dieu juste, a God of love, un Dieu d'amour, he could not just punish people who are in ignorance. Il ne pouvait pas juste punir les gens qui sont dans l'ignorance. It is a human being who does things like c'est that. Les hommes qui font de telles histoires. You see that this person doesn't know. On voit que cette personne ne connaît pas. The first thing is to instruct him. La première des choses, c'est pour l'instruire. To show him the right way. Montrer la personne la bonne voie. And then the punishment can come. Et après, la punition peut venir. If the person is stubborn in his bad way. En question est têtue. God of love, Dieu d'amour, he first sent a prophet. Il a d'abord envoyé un prophète. Jonah. Jonas. Jonah tried to run away. Il a essayé de s'enfuir. But the Lord wanted to save the people le of Nineveh. Le Seigneur voulait d'abord sauver les gens de Ninive. And there was a need that somebody can come and warn them. Il y avait besoin d'une personne de venir pour les avertir. And when Jonah preached, et quand Jonas a prêché, the people of Nineveh were spared. Les peuples de Ninive ont été épargnés. The Lord didn't bring the judgment on them. Le Seigneur n'a pas apporté le jugement sur eux. Because they did listen to the warning of the Lord. Parce qu'ils ont écouté à l'avertissement du Seigneur. This is the God we are worshiping. Voici le Dieu que nous adorons. He is acting always in that way. Il agit toujours de la sorte. And here we are speaking about the true prophet of God. Ici on parle de véritable prophète de Dieu. Because there is many false prophets. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes là dehors. In Deuteronomy chapter 13. Dans Deutéronome 13. The Lord knew that there will be false prophets. Le Seigneur savait qu'il y aurait de faux prophètes. And he gave us instructions. Il nous a donné des instructions. To show us how to detect a false prophet. Pour montrer comment détecter un faux prophète. Deutéronome 13, from verse 1. À partir du premier verset. If there arise among you a prophet, or a dreamer of dreams, and give thee a sign or a wonder. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. And the sign or the wonder come to pass, whereof he spake unto thee, saying, let us go after other God, which thou hast not known, and let us serve them. Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que nous ne connaissons pas point, et servons-les. Thou shalt not hearken unto the word of that prophet, and that all that dreamers of dream, for the Lord your God prove you to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. That's why we are very attentive. C'est pourquoi nous sommes très attentifs. A person can come. Une personne peut venir. And give a prophecy. Et donner une prophétie. Or bring a dream saying that the Lord have shown me. Ou donner un songe dont l'Éternel l'a donné. And predict that this will happen. Et dire que non, ceci va se passer. And the things happen as he predicted. Et la chose qu'il a prédit arrive. But he told you. Mais il t'a dit. Let us go and worship other God. Allons pour adorer d'autres dieux. The Bible say. La Bible dit. You will not listen to that prophet. On n'allait pas écouter à ces prophètes là. Because for our God. Parce que pour notre Dieu. What is important is his word. Ce qui est important c'est sa parole. It is not the miracle. Ce n'est pas le miracle. It is not the sign. Ce n'est pas le signe. Even the devil can do the sign. Même le diable peut imiter le signe. Even the devil can perform wonders. Même le diable peut effectuer des merveilles. In the book of Acts chapter 8. Dans le livre des Actes 8. There was a certain magician, Simon. Un certain magicien nommé Simon. He was impressing people. Il impressionnait le peuple.
But the message behind, mais le message qui était derrière, it, there was nothing for the glory of God. Il n'y avait rien qui appartenait à la gloire de Dieu. It was for his own glory. C'était juste pour sa propre gloire à lui. It was for his own enrichment. Pour son propre enrichissement. You see, brethren, vous voyez, frères et sœurs, and that's what is happening in denomination. C'est ce qui se passe dans les dénominations. A person can come to the pulpit. Une personne peut venir à la chair and preach the gospel. Prêcher l'évangile in a perfect way. D'une manière parfaite. As soon as he finishes the gospel, quand il finit de prêcher l'évangile, they take a 15-minute break for smoking. Il prend une récréation de 15 minutes pour fumer. What he has preached is the truth. Ce qu'il a prêché, c'est la vérité. But the life, what comes after, shows that there is something wrong. Où sa vie montre qu'il y a quelque chose de faux. You see, brethren. Vous voyez, frères et sœurs. We don't just look to the sign. On regarde pas seulement au signe. We look to the message that is behind the sign. On regarde au message qui est derrière le signe. If the prophet comes, si le prophète vient, it is for you to be better. Pour que vous soyez mieux. It is for you to be rich. Pour que vous êtes riche. This is what the Lord have shown c'est me. Ce que le Seigneur m'a montré. It is your uncle. C'est ton oncle. Don't even stay there. Ne restez même pas là. This is not our God. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Show me in the Bible. Montre-moi dans la Bible. Where a prophet have come. Où un prophète était venu. And told the people. Et a dit au peuple. Your trouble is your auntie. Ton trouble, c'est ta tante. Oh, your trouble is your mother. Ton problème, c'est ta mère. Oh, your grandpa. Ou ton grand-père. No, it doesn't exist in the word of God. Dans la parole de Dieu. All the prophets who does that, they are false prophets. Les prophètes qui font ce sont des faux prophètes. Read the brochures of Brother Branham. Lisez les brochures de Frère Branham. They always ask people to obey the word of God. D'obéir à la parole de Dieu. When you obey the word of God, quand vous obéissez à la parole de Dieu, the blessing of God will remain upon you. Les bénédictions de Dieu seront sur vous. What bring trouble in our life? Ce qui apporte les troubles dans nos vies? It is the disobedience of the word of God. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. We read it the other day. Nous avons lu how Jeremiah was telling the people. Quand Jérémie disait au peuple, I have spoken to you. Je vous ai parlé. Don't go and serve other gods. N'allez pas servir d'autres dieux. God have sent many prophets to you. Dieu vous a envoyé beaucoup de prophètes. To warn you. Pour vous avertir. Don't go and serve other gods. N'allez pas adorer d'autres dieux. For about 23 years. Pour 23 ans. But you have refused. Mais vous avez refusé. And the other god. Et d'autres dieux. Idolatry. L'idolâtre. To worship any other thing than de louer ou de servir d'autres dieux qui est notre Dieu. You see, brethren, vous voyez, frère, everything you put before the word of God. Toutes choses vous les placez devant la parole de Dieu. Everything you put before God. Toutes choses vous les placez d'abord devant Dieu. It become your idol. Ça devient votre idole. And you are worshiping another God. Et vous adorez un autre Dieu. People worshiping themselves, les gens qui s'adorent eux-mêmes, people worshiping their job, les gens qui adorent leur boulot, people worshiping money, ils adorent l'argent, people worshiping fame, ils adorent les to be popular, être populaire, it becomes your god, ça devient votre dieu. It takes the place of God. Ça prend la place de Dieu. And the Lord said, et le Seigneur dit, seek first. Cherchez d'abord the kingdom and the righteousness of God. Le royaume et la justice de Dieu. And the rest of the thing will be given unto et you. Et le reste vous sera donné après. You see, brethren, voyez, frères et if sœurs, a prophet comes, si un prophète vient, he gives a sign. Il donne un signe. I remember a brother who used to say, je me rappelle, il y avait un frère qui disait, even if you jump, même si vous sautez, you remain in the air for 5 minutes. Suspendu dans les airs pour 5 minutes. We are not troubled. Nous ne sommes pas troublés. We will wait for you. On va t'attendre. Finish the demonstration. Termine la démonstration. And then we will ask you. On va te poser la question what après. What does the scripture say? Qu'est-ce que les écritures disent? Does the scripture say that if
You lose money, it is your uncle. Est-ce que l'écriture dit que si tu perds l'argent, c'est à cause de ton oncle? You see, my brother, my sister. Vous voyez, mon frère, the Lord have equipped us. Le Seigneur nous a équipés. To detect even false prophets. Pour détecter les faux prophètes. There was a family in Johannesburg. Il y avait une famille à Johannesburg. The elder brother to the husband was already dead. Le grand frère du mari était déjà mort. And he left two boys. Il a laissé deux garçons. And his young brother took them. Et son jeune frère les a pris. At home. À la maison. But the young brother was not Mais le serious. Jeune frère n'était pas sérieux. He was drinking. Il buvait. When he is paid, he goes first to the shebin. Quand le paye, il part d'abord au bar. And the things were not working. Et les histoires ne marchaient pas pour lui. And then there came a prophet. Et il y avait un prophète qui est venu. Coming from USA. Venant de l'Amérique. And he went to consult him. Il est parti le consulter. No, my stuff are not working. Non, mes histoires ne marchent pas. I don't understand. Je ne comprends pas. The prophet came to his place. Le prophète est venu à sa maison. And he told him. Il lui a dit. If your thing are not working. Si tes histoires ne marchent pas. It is these two boys. C'est à cause de ces deux gamins ici, ces It deux garçons. It was painful. C'était vraiment douloureux. Two orphans, deux orphelins, taken by their uncle to give them some opportunity in life. Qui ont été logés par leur oncle pour leur donner quelques opportunités dans la vie. This prophet, ce prophète, and he was speaking a nice English, American English, avec l'anglais américain. When you listen, you will even think that it is God speaking. Vous allez penser que c'est Dieu qui parle en lui. Say it is these two boys. And the sign is that. Le signe c'est que. If you take them the picture. Si vous leur prenez une carte ou une they photo, will never appear in a photo. Ils vont jamais apparaître dans la photo. When I heard that. Quand j'ai écouté cela. I say now that one we have to challenge. Non, ça maintenant on doit défier cela. We went with the camera. On allait avec la caméra. We took the picture. On a pris la carte. I still have got those j'ai photos up until today. Jusqu'aujourd'hui. You see, brethren, voyez, frères, and when the picture were printed, et quand les photos we went prises, back and sit with the little children on s'est assis avec les deux and enfants, told them that all those on things are lies. Toutes ces histoires sont des mensonges. These are the pictures. Voici les photos. You see, brethren, voyez, frères et sœurs, God have equipped us to detect. Dieu nous a équipés pour détecter. It must be written. Ça doit être écrit. It must be according to the ça word of God. Selon la parole de And Dieu. We know our God. Et nous savons, nous connaissons He notre is Dieu. A holy God. C'est un Dieu saint. There is no filthy in God. Il n'y a pas de souillure en Dieu. There is no filthy. Il n'y a pas de souillure You en cannot Dieu. Sin Vous in the name of God. Au nom de Dieu. There is no sin in him. Il n'y a pas de péché en lui. Sin comes from the devil. Le péché provient du diable. He is the one who brings unbelief. Celui-ci est celui qui amène l'incrédulité. You see, brethren, voyez, frères et sœurs, can you go in the shebin in the name of Jesus? Pouvez-vous rentrer dans des bars au nom de Jésus? Can you take a prostitute in the name of Jesus? Pouvez-vous prendre une prostituée au nom de Jésus? We know the nature of our God. Nous savons la nature de He notre is Dieu. A holy God. C'est un Dieu saint. His word is holy. Sa parole est sainte. His people are holy. Son peuple est saint. His house is holy. Sa maison est sainte. You see, brethren. Voyez, frères et sœurs. That's why. C'est pourquoi. Even if you don't have a scripture on the spot, là où sur le champ. If something is filthy, it cannot come from God. Si quelque chose est souillé, ne provient pas de Dieu. Never. Jamais. It cannot come from God. Ça ne peut pas provenir de Dieu. You see, brethren. Voyez, frères et sœurs. May the Lord help us. Le Seigneur nous aide. We are a prophetic people. Nous sommes un peuple prophétique. On Sunday, le dimanche, we started speaking about Elijah the Tishbite. On a commencé à parler sur Élie le Tishbite. Because it concerns us. Parce que ça nous concerne. In our time, dans notre temps, the Lord promised, le Seigneur a promis, that He will send the prophet Elijah. Envoyer le prophète Élie. But already with Israel. Mais déjà avec Israël. In the time of King Ahab, dans le temps du roi Ahab, when Israel went away from the word of God, quand Israël est parti loin de la parole de Dieu, it was a time of apostasy. C'était le temps de l'apostasie. Where people forsake the true faith. Où le peuple abandonne la vraie foi.
To cling to fables. Pour s'attacher aux fables. That's the time where the spirit of Elijah was sent. C'était le temps là où l'esprit d'Élie a été envoyé. Let us read in 1 Kings chapter 16. Dans 1 Rois chapitre 16. True prophet of God. Le véritable prophète des dieux. They speak the word of God. Ils parlent que de la parole des dieux. From verse 29. Le verset 29. 1 Kings 16 from verse 29. 1 Rois 16, 29. And in the 38 years of Asa, king of Judah, began Ahab, the son of Omri, to reign over Israel. And Ahab, the son of Omri, reigned over Israel in Samaria 22 years. Ahab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Ahab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. And Ahab, the son of Omri, did evil in the sight of the Lord above all that were before him. Ahab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tous ceux qui avaient été avant lui. And it came to pass as if it had been a light thing for him to walk in the sin of Jeroboam, the son of Nebat, that he took to wife Jezebel, the daughter of Etbal, king of Sidonian, and went and served Baal and worshipped him. Et comme si ce était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nebat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ebdal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et s'est prosterné devant lui. And he reared up an altar for Baal in the house of Baal, which he had built in Samaria. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. And Ahab made a grove, and Ahab did more to provoke the Lord God of Israel to anger than all the kings of Israel that were before him. Et il fit une idole d'Astarté. Ahab fit plus encore que tout le roi d'Israël qui avait été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. You see the condition in which Israel was. Voilà la condition dans laquelle Israël était. It was a time where people, there was not a true faith. C'était un temps où il n'y avait pas de vraie foi. People have abandoned the word of God. Les gens ont abandonné la parole de Dieu. The behavior of the people was only evil. Le comportement du peuple était méchant. And it was in that time. C'était en ces temps-là. That Ahab, Ahab went to take Jezebel. Est parti prendre pour femme Jezebel. If in the Bible, si dans la Bible, there is the woman who did put the makeup, the first woman to put makeup. Une femme qui a inauguré ou introduit le maquillage. It is Jezebel. C'est Jezebel. She was a prostitute. C'était une prostituée. You see, brethren. Voyez, frères et sœurs. And if the king, si le roi, have no personality, n'a pas de personnalité, have no character, n'a pas de caractère, he was a kind of man who is ruled by his wife, qui était dominé par sa femme, he could not take a decision, il ne pouvait pas prendre des décisions, and on top of that, et au-dessus de cela, he brought in Jezebel, il a amené Jezebel, and Jezebel brought idolatry in Israel. Et celle-ci a porté l'idolâtre en Israël, l'idolâtrie en Israël. It was a time which was very bad. C'était un mauvais temps. The behavior of the people. Le comportement du peuple. It was a time of prostitution. C'était un temps de prostitution. Boyfriend, girlfriend. Le copinage partout. Everything was bad. Toutes choses étaient mal. Wherever people were. Partout les gens se trouvaient. The kind of joke, it was only sexual joke. Juste des blagues sexuelles partout. It was a bad time. C'était un mauvais temps. And the people have gone away from the word of God. Les gens se sont écartés de la parole de Dieu. And the Bible says, la Bible dit, Ahab was bad.
bad than all the king before him. Achab était le plus mauvais de tous les autres qui étaient. In other words, he did things that were horrible. Mots, il a fait des histoires horribles. You see, brethren. Vous voyez, frères et sœurs. A man without character. Un homme sans caractère. In 1 Kings chapter 18. Dans 1 Roi 18. Verse 16. Le verset 16. So Obadiah went to meet Ahab and told him, and Ahab met to meet Elijah. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab s'y rendit au devant d'Élie. And it came to pass when Ahab saw Elijah, that Elijah said unto him, Art thou he that trouble Israel? À peine qu'Akab aperçut-il Élie et qu'il lui dit, Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? And he said, I am not troubled. I have not troubled Israel. But thou and thy father's house, in that you have forsaken the commandment of the Lord, and thou have followed Balaam. Élie répondit, Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Et que tu es allé après les balles. You see, brethren, vous voyez, frères et sœurs, Ahab, in his folly, Ahab, dans sa folie, he thought that it is Elijah who troubled the people. Il pensait que c'est Élie qui troublait le peuple. But Elijah told him, Élie lui a répondu, you are the one who is bringing trouble. C'est toi, au contraire, qui apporte le trouble. You are pushing people to disobedience. Tu pousses les gens à la désobéissance. And the wages of sin is death. Le salaire du péché, c'est la mort. You are the one who is troubling them. C'est lui qui le trouble. You see, brethren, vous voyez, frères et sœurs, Ahab, a man without character. Un homme sans caractère. He was the one troubling Israel. Il était celui qui troublait Israël. In 1 Kings chapter 21. Dans 1 Roi 21. Verse 25. Le verset 25. And there was none like unto Ahab, which did sell himself to work weakness in the sight of the Lord, whom Jezebel his wife stirred up. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jezebel sa femme l'y excitait. His wife Jezebel, sa femme Jezebel, was pushing him to do evil, pour faire le mal, to sell himself, pour se vendre lui-même, to be without character, pour être sans caractère. You see, brethren, vous voyez, frères et sœurs, and Jezebel, et Jezebel was that kind of a very bad woman. C'était l'une de mauvaises femmes. A type of a prostitute. Un type de prostituée. A wife who is not submissive. Une femme qui n'est pas soumise. She doesn't have the nature of a woman. Elle n'a même pas la nature d'une femme. God have given values to the woman. Dieu a donné de la valeur aux femmes. A meek and a quiet spirit. Un esprit doux. And calm. Et calme. Jezebel didn't have that. Jezebel n'avait pas cela. She was not meek and douce, calm. Elle n'était pas calme. She was stirring her husband to do bad things. Au contraire, elle excitait son mari pour faire des mauvaises histoires. You see, brethren. Vous voyez, frères et sœurs. And Jezebel, et Jezebel is the type being a woman. Étant une femme. Is the type of the church. C'est le type de l'Église. Today. De nos jours. If people are doing wrong, si les gens font des mauvaises histoires, many are doing wrong in the name of churches. Plusieurs le font au nom de l'Église. It is the church. C'est l'Église. That encourage people to live in sin. Qui encourage l'Église de vivre dans le péché. If the pastor himself have got a girlfriend, si le pasteur lui-même a des copines, how will he advise other people? Comment est-ce qu'il va conseiller les autres? If the pastor himself is afraid of witch, si le pasteur lui-même a peur des sorciers, but he will tell everybody to be afraid of witch. Tout le monde d'être loin ou d'avoir peur des sorciers.
Today it is the church that encourage people to live in sin. C'est les églises qui encouragent le peuple de vivre dans le péché. Because the church have forsaken the word of God. Parce que les églises ont abandonné la parole de Dieu. Jezebel is the type of the fallen church. Jezebel est le type de l'église déchue. The church that have abandoned faith. L'église qui a abandonné la foi. To do their own program. Pour faire leur propre projet. Today, the only project of the church is money. Seul le projet des églises, c'est l'argent. There is no other things. Il n'y a pas d'autre chose. You see, brethren. Vous voyez, frères et sœurs. And it was in this condition. C'était dans cette condition. Where Jezebel brought in 400 prophets of Baal. Où Jezebel a apporté 400 prophètes de Baal. Who were paid by Ahab. Qui ont été payés par Ahab. She was paying them. Où elle est payée. To tell her the things that she wanted to listen. Pour la dire les histoires qu'elle voulait écouter. You see, brethren. Vous voyez, frères, and frères, in our time, notre temps, the Lord have said something. Le Seigneur a dit quelque chose. In 2 Timothy, I dans think. 2 Timothée, je pense. Chapter 4. Chapitre 4. From verse 1, we read. Au premier verset, nous lisons. It is what was in the time of Elijah the Tishbite. Ce qui était dans le temps d'Élie le Tishbite. That's what is happening today. Ce qui se passe aujourd'hui. Verse 1. Le premier verset. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Preach the word. Be insistent in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and the doctrine. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. That's what the Lord wants. C'est ce que le Seigneur veut. And why does he insist? Et pourquoi est-ce qu'il insiste? In verse 3 we are told. Au verset 3 on nous dit. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. My brother, my sister, mon frère, ma sœur, when you go in the presence of God, quand vous êtes dans la présence de Dieu, don't go to hear the things that will please you. N'allez pas pour écouter les choses qui vous seront agréables. Because the ways of God are not our ways. Les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. His thoughts are not our thoughts. Ses pensées ne sont pas nos pensées. You can come, vous pouvez venir, thinking that he will please you, va vous plaire, but that day, mais ce jour-là, he wanted to correct you. He wanted to rebuke you. Il voulait te reprendre. He wanted to instruct you. Il voulait t'instruire. You see, brethren, vous voyez, but the Bible says, la Bible dit, people will not love the sound doctrine. Les gens n'aimeront pas la sainte doctrine. They will give themselves teachers. Mais ils vont se donner eux-mêmes des fous. People who can tell them the things that they like. Les gens qui peuvent leur dire des histoires qu'ils sont agréables. That's what Jezebel did. C'est ce que Jezebel a fait. She had 400 prophets. Elle avait 400 prophètes. Who were eating at her table. Mangeaient à sa table. And they were prophesying good things to her. Ils disaient que de bonnes choses à elle. You see, brethren. Voyez, frères et sœurs. In verse 4, le verset 4, and they shall turn away the ears from the truth, and shall be turned unto fable. Ils tourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. You see, brethren. Voyez, frères et sœurs. We go back in 1 Kings chapter 16. Nous rentrons dans 1 Roi 16. That was the condition. C'était ça la condition. Ahab, a bad king. Acab, un mauvais roi. Jezebel, a bad
woman, Jézabel, une mauvaise femme, they brought idolatry. Ils ont apporté l'idolâtrie. People had forsaken the word of God. Les gens ont abandonné la parole des yeux. People start even denying the existence of God. Les gens ont commencé à renier l'existence des dieux. And what Ahab did, fait, it is exactly what the Lord forbid the children of Israel. Exactement ce que le Seigneur a interdit aux enfants d'Israël. Marriage with strange women. Le mariage avec des femmes étrangères. With unbelievers. Avec des incrédules. And today we can say the same thing. Aujourd'hui, on peut dire la même chose. My brother, my sister. Mon frère, ma sœur. When it comes to marriage, quand il s'agit du mariage, you must make sure, vous devez être sûr, that when it comes to faith, que quand il s'agit, quand il vient de la foi, you agree, vous êtes en accord, you have got the same faith, vous avez la même foi, you are looking in the same direction, vous regardez dans la même direction. Very, very important. Très, très important. But Ahab, mais Ahab went and took Jezebel. Est parti prendre Jézabel. Who was not a Jew. Qui n'était même pas une juif. Against Deuteronomy chapter 7. Contre Deutéronome 7. Deutéronomy chapter 7, let's read. Deutéronome 7, lisons. From verse 1. Le premier verset. When the Lord thy God shall bring thee in the land whither thou goest to possess, and I have cast out many nations before thee, the Hittite, and the Girgashite, and the Amorite, and the Canaanite, and the Perizzite, and the Hivite, and the Jebusite, seven nations greater and mightier than you. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup des nations, les Éthiens, les Girgazéens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. And when the Lord thy God shall deliver them before thee, and thou shalt smite them, and utterly destroy them, thou shalt make no covenant with them. No show mercy unto them. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Neither shalt thou make marriage with them. Thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter thou shalt take unto thy son. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple, tu ne donneras point de filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. For they will turn away thy son from following me, that they may serve other God. So will the anger of the Lord be kindled against you and destroy thee suddenly. Car il détournait de moi tes fils qui servaient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. And Ahab refused to listen to this. Et Ahab a refusé d'écouter à ceci. But the Lord was clear. Mais le Seigneur était clair. He said, "Don't give your daughter to them. Ne donne pas tes filles à eux. And don't take their daughter for your sons. Ne prends pas leurs filles pour tes fils. Because they will turn them away to serve other gods. Parce qu'ils vont se détourner pour servir d'autres dieux." And that's what Jezebel did. C'est ce que Jezebel avait fait. She brought idolatry. Elle a apporté l'idolâtrie. She led Israel in a spiritual prostitution. Elle a conduit Israël dans une prostitution spirituelle. They had to worship other gods. Ils devaient adorer d'autres dieux. Because of disobedience to the word of God. À cause de la désobéissance à la parole de Dieu. That's why in 2 Corinthians chapter 6. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 6. From verse 14. À partir du verset 14. You know the scripture up until verse 18. Vous connaissez l'écriture jusqu'au verset 18. We can read. On peut lire cela. The Bible says. La Bible dit. What accord? Quel rapport? Is there a believer and an unbeliever? Y a-t-il entre la justice et l'iniquité? 2 Corinthians, 2 Corinthiens,
chapter 6. Chapitre 6. From verse 14. À partir du verset 14. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship have righteousness with unrighteousness? And what communion have light with darkness? Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? You remember, vous rappelez, some days back, quelques jours passés, Brother Joseph was explaining to us the yoke. Le frère Joseph nous expliquait sur le joug. It bound two cows so that they can work together. Le joug attache deux veaux pour qu'ils puissent marcher ensemble. One cannot move without the other. Une vache ne peut pas marcher sans l'autre. Now the Bible says, alors la Bible dit, do not be yoked with unbelievers. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. When a person get married, quand une personne se marie, they are yoked together, the man and his wife. Donc, l'homme et la femme sont sur un même joug. You see, brethren, vous voyez, frères et sœurs. In verse 15, he says, le verset 15, and dit, what concord have Christ with Belial? And what part have he that believe with an infidel? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? And what agreement have the temple of God with idol? For you are the temple of the living God. As God have said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Quel rapport y a-t-il entre le peuple des dieux et les idoles? Car nous sommes le temple des dieux vivants, car, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. You see, brethren, vous voyez, frères et sœurs, the light and the darkness cannot stay together. La lumière et le ténèbre ne peuvent pas rester ensemble. You see, brethren, that's why in verse 17, c'est pourquoi le verset it is addressed to the true children of God. C'est aux véritables enfants des dieux. Wherefore come out from among them, my people, among them, and be ye separated, saith the Lord. And touch not the unclean things, and I will receive you. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. And will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, say the Lord Almighty. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. You see, brethren. Voyez, frères et sœurs. But in the time of Ahab, mais au temps d'Akab, in the time of Jezebel, au temps de Jézabel, people were pushed to marry like what the king did. Les gens étaient poussés de se marier comme le roi s'est marié. To go and take strange women. Aller prendre des femmes étrangères. Or to give their daughter to strange men. Donner leur fille à des fils étrangers. She led Israel in a spiritual prostitution. Elle a conduit Israël dans une prostitution spirituelle. In idolatry. Idolatrie. She killed all the prophets of God. Elle a tué tous les prophètes des dieux. She was even following Elijah to et kill him. Elle suivait même Élie pour le tuer aussi. You see, brethren. Vous voyez, frères et sœurs. Elijah, after prophesying, he even ran away from Jezebel. Because Jezebel wanted to kill him as well. Parce que celle-ci voulait le tuer. What kind of woman she was? Quel genre de femme elle était? A wicked woman. Une femme méchante. But today, mais aujourd'hui, it is the churches. Ce sont les églises. That destroy true servant of God. Qui détruit les véritables serviteurs des dieux. If you don't come from their school, si vous ne venez pas de leurs écoles, you are not a servant of vous God. Vous n'êtes pas un serviteur des dieux. If you are not under a certain bishop, vous n'êtes pas sous un certain bishop, you are not a servant of God. Vous n'êtes pas un serviteur des dieux. And for them, et pour eux, God have to consult the bishop before calling people to the ministry. Consulter les bishops avant d'appeler les gens au ministère. This is what is happening today. Ce qui se passe aujourd'hui. And our time is exactly like the time of Ahab. C'est le temps comme ceux d'Akab. That's why in this age, God age, had to send again Dieu the spirit of Elijah. Encore envoyer l'esprit d'Élie.
to bring people back to the word of God. Pour rapporter les gens, retourner les gens à la parole de Dieu. You see, brethren. Voyez, frères et sœurs. Jezebel killed all the prophets. Jezebel a tué tous les prophètes. In 1 Kings chapter 18. Dans 1 roi 18. From verse 1. Au premier verset. And it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the third year, saying, Go show thyself unto Ahab, and I will send rain upon the earth. Bien de jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie, dans la troisième année, Va, présente-toi devant Ahab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. And Elijah went to show himself unto Ahab, and there was a sore famine in Samaria. Et Élie alla pour se présenter devant Ahab. La famine était grande à Samarie. And Ahab called Obadiah, which was the governor of his house. Now Obadiah feared the Lord greatly. Et Ahab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. For it was so when Jezebel cut off the prophet of the Lord, that Obadiah took 100 prophets and hid them by 50 in a cave and fled them with bread and water. Et lorsque Jézabel extermina le prophète de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. You see, brethren, voyez, frères et sœurs, it needed the governor to hide the prophet of the Lord. Le gouverneur devait cacher les serviteurs de Dieu. Because everyone who was not in agreement with Jezebel, qui n'était pas en accord avec Jezebel, was to be killed. Était exterminé. You see, brethren, voyez, frères et sœurs, in Romans chapter 11, Romains chapitre 11, nous lisons. From verse 2, au deuxième verset, God have not cast away his people, which he foreknew. Would he not what the scriptures say of Elijah? How he makes intercession to God against Israel, saying, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comme il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. Lord, they have killed thy prophet, and digged down thine altar, and I am left alone, and they seek my life. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. But what say the answer of God unto him? I have reserved to myself 7,000 men who have not bowed the knee to the image of Baal. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7,000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. You see, brethren. Voyez, frères et sœurs. Jezebel was killing prophets. Jezebel exterminait le prophète. To such a point that Elijah have to complain to God. Il devait se plaindre devant Dieu. Did they are trying to kill me as well? Ils cherchent à m'ôter la vie. I have remained alone. Je suis resté moi seul. But the Lord told him. Le Seigneur lui a dit. I have kept 7,000. Je me suis réservé 7,000 hommes. Who didn't bow to Baal? Qui n'ont point fléchi leur genou. There is always a true child of God. Il y a toujours un véritable enfant de Dieu. Who will not bow to Baal? Qui ne va pas fléchir ses genoux devant Baal. Even in this age. Même dans cet âge. If all the young men have got girlfriends. Tous les jeunes hommes ont des copines. There is always a true young man who fear God. Un vrai jeune homme qui who keep himself qui se garde far away loin from what the world is doing. Ce que le monde fait aujourd'hui. If in Pretoria, si à Pretoria there is no longer virgin, il n'y a plus de vierge, there is somewhere, il y a quelque part, a young girl, une jeune fille, who fear God, qui craint Dieu, and keep herself, et elle se garde elle-même. Amen. You see, brethren, voyez, frères et sœurs, you know when
The Philip spoke to Nathanael. Quand Philippe a parlé à Nathanael about Jesus, au sujet de Jésus, Nathanael said, Nathanael a dit, can something good come from Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon peut provenir de Nazareth? From only that declaration, juste par cette déclaration, it showed that it was a bad city. C'était une mauvaise cité à partir de cette. Nobody was expecting something good from that city. S'attendait d'avoir une bonne chose venant de là. But in Nazareth, mais en Nazareth, where all the girls were prostitutes, où toutes les filles étaient des prostituées, Mary was a virgin. Marie était une vierge. Amen. In Nazareth. En Nazareth. God have got always a witness. A toujours des témoins. Wherever you are, partout où you are êtes, a witness of God. Un témoin de Dieu. When people will say, quand les gens diront, Lord, it was difficult. Seigneur, c'était difficile. With the social media, avec le réseau social, with all this, tout ceci, you open your phone, téléphone, they send you pornography, pornos, they do this. On fait ça. God will show you one. Dieu va te montrer une personne. Who was exposed to the same thing? Exposé aux mêmes histoires. But he stood for mais the word of la God. Personne s'est tenue pour la parole de Dieu. God will never lack a witness. Dieu ne va jamais manquer un témoin, c'est ça. There will be always witness. There will always be, il y aura toujours de témoins. No matter how difficult this age is. Si cet âge est très difficile. The elect will never be deceived. Les élus ne seront jamais déçus. Ou, you see, brethren. Vous voyez, frères et sœurs. And God sent Elijah, the prophet. Et Dieu a envoyé Élie le prophète. Let's read 1 Kings chapter 17. Lisons un roi. And then we will stop for tonight. Et on va s'arrêter pour ce soir. 1 Kings chapter 17. Un roi 17. From verse 1. Premier verset. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitant of Gilead, say unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Ahab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. And the word of the Lord came unto him, saying, get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Kerit, that is before Jordan. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kerit, qui est en face du Jourdain. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the raven to feed thee there. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. So he went and did according unto the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook Kerit, that is before Jordan. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kerit, qui est en face du Jourdain. You see, brethren, vous voyez, frères et sœurs, that's in that time that Elijah appeared. En ce temps-là qu'Élie est apparu, a prophet of God. Un prophète de Dieu. God sent him, Dieu l'a envoyé to rebuke Ahab, pour reprendre Ahab and Jezebel, et Jézabel, to rebuke the false prophet, pour reprendre le faux prophète. To tell them that what they are doing is wrong. Ce qu'ils sont en train de faire. That's why when he came, he pronounced the judgment. Il est venu, il a prononcé le jugement. There was no rain. Il n'y aurait plus de pluie. You see, brethren. Vous voyez, frères et sœurs. He came as well to rebuild the altar of God. Il est aussi venu pour rebâtir l'autel de Dieu. To bring Israel back to the true faith. Pour retourner Israël à la véritable foi. To show them the way of the Lord. Pour leur montrer la voie du Seigneur. So that they may leave idolatry. Pour qu'ils puissent abandonner l'idolâtrie. So that they may leave all the bad life. Pour qu'ils laissent la mauvaise vie. And come back and be reconciled with the Lord. Et être réconciliés avec le Seigneur.
And that's what the Lord has done in our time. Et le Seigneur a aussi fait dans notre temps. He has sent a prophet. Il a envoyé un prophète. With a message. Avec un message. At the end time. À la fin du temps. Before the judgment of God fall here on earth. Avant que le jugement de Dieu tombe ici sur la terre. To turn the heart of the children to the fathers. De retourner le cœur des enfants à leur père. To turn the people back to the word of God. Pour retourner les gens à la parole de Dieu. To the apostolic faith, la foi the faith in the Holy Scripture, la foi dans les Saintes Écritures, in the written word, dans la parole écrite, not in just a thought, but pas it must pensées, be written, my brother, my sister. Écrit, mon frère et ma sœur. Amen. It must be written. Ça doit être écrit. You see, brethren, vous voyez, frères that et sœurs, is the apostolic faith. C'est ça, la foi apostolique. And because our time et à cause de notre temps is exactly like the time of Jezebel. C'est exactement comme le temps de Jezebel. The time of Ahab. Le temps de Ahab. God had to send the same spirit. Dieu devait envoyer le même esprit. The spirit of Elijah. L'esprit d'Élie. Which came in a humble ministry. Il est venu dans un ministère humble. Of Brother Branham. De frère Branham. He didn't come from a Bible school of denomination. Il n'est pas venu d'une école biblique de dénomination. He had a commission from the Lord. Il avait une commission venant de l'Éternel. And in Brother Branham, avec le frère Branham, it was the fourth time that the spirit of Elijah came. C'était la quatrième fois que l'esprit d'Élie est venu. We will see tomorrow. Et on va voir cela demain. The same spirit was on Elisha. Était sur Élisée. And it was as well on John the Baptist. Et sur Jean Baptiste. They all served the Lord in the spirit of Elijah. Ils ont servi l'Éternel avec l'esprit d'Élie. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Let us bow our head. Inclinons nos têtes. Unitembeze bwana wangu. Kati kanji ya kwenda mingu Unipati shevile nguvu Nyende mbele nawe Yesu Nyende mbele nye Mbele nawe Yesu katika neno lake Mungu uniwezeshe kila siku nyende mbele nawe Mbele, nye, mbele, nawe Yesu, katika nenu lake Mungu, uniwezeshe kila siku. All be in the position of prayer. Soyons tous dans la position de prière. Nyendembele, nyendembele. Let us all pray. Prions tous ensemble.
generation where a woman is seducing the world séduit le monde by a way of speaking, par sa manière de parler, by a way of dressing, par sa manière de se vêtir, by a way of walking, sa manière de marcher. But to us, Lord, mais en nous, Seigneur, you have given us a pure word of God. Tu la parole de Dieu pure. You knew this generation how it was going to be. Cette génération, comment elle sera? That's why you have sent a prophet messenger. C'est pourquoi tu as envoyé un prophète. That's messager. Why you have sent again the spirit of Elijah. C'est pourquoi tu as encore envoyé l'esprit d'Élie. Now help us, Lord. Maintenant aide-nous, Seigneur. Who are the listeners? Nous qui écoutons. To align in everything into your word. Et nous conformer en toutes choses à ta parole. Oh dear Lord. Oh cher Seigneur. Bless now your people. Bénis maintenant ton peuple. While the entire world is in confusion, pendant que le monde entier dans la confusion, you have led a small group. Tu t'es réservé un petit groupe. To hear the warning. Pour écouter l'avertissement. About this generation. Sur cette génération. Now, Lord. Maintenant, Seigneur. After hearing your word, Lord. Après avoir entendu ta parole, Seigneur. As your word said. Comme ta parole dit. You said you have sent your word. Tu as envoyé ta parole. And your word has healed them. Et ta parole les a guéris. Let those who are sick among us. Et ceux qui sont malades parmi nous. To be healed, Lord. Être guéris, Seigneur. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Those who are still having a different problem. Qui ont encore des problèmes différents, Seigneur. To find a solution. De trouver solution. We fully count upon thee, Lord. Nous comptons totalement sur toi, Seigneur. As we are going home now. Comme nous allons sortir. Bring the peace in the marriage of your children. Restaure la paix dans les mariages. And bring the joy amène la joie in this church. Dans cette église, we count upon the Lord. Nous comptons sur toi, Seigneur. Be with your servant avec ton serviteur during his meditation. Durant sa méditation. We are now going out, Lord. Nous allons sortir, Seigneur. Lead us on the way back home. Conduis-nous sur le chemin vers when we will reach the destination, quand on arrive à destination, it will be for the glory of your name. Ce sera pour la gloire de ton nom. We count upon thee. Nous comptons sur toi. We pray. Nous avons prié. In Jesus Christ's name. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. They are going to lead us in a song. On va nous conduire dans un cantique. God willing, we will meet again tomorrow. Dieu voulant, nous allons nous rencontrer encore demain.